Une légende raconte qu'un jour, détrôné par son frère Pygmalion, la princesse phénicienne Elissa quitta Tyr pour fonder une nouvelle ville en Afrique. Arrivée au comptoir phénicien d'Utique, Elissa voulut acheter un territoire limitrophe, s'avançant dans la mer, mais le seigneur local lui promit autant de terres qu'il en pourrait tenir dans la peau d'un bœuf. Alors Elissa découpa une peau de bœuf en lanières très fines et les déroula sur la surface choisie, dessinant un espace bien plus étendu que celui qui lui était vendu. C'est ainsi que naquit Carthage, la ville-mère des Tunisiens. Tout commence en Afrique centrale, il y a environ 60 000 ans, avec la première grande migration des Homo sapiens, nos ancêtres directs. Certains sapiens quittent le continent pour s'installer en Asie et en Europe, d'autres migrent vers le sud de l'Afrique et d'autres encore vers les côtes occidentales africaines. Les sapiens, qui se répartissent sur le littoral allant du Maroc à la Tunisie, sont des nomades qui se nourrissent de plantes sauvages, d'œufs, de dattes et de poissons. Ce sont les ancêtres des Maghrébins. Il y a environ 40 000 ans, dans l'oasis de El Guettar, leurs descendants réalisent, avec des milliers d'éclats de silex, le monument religieux le plus ancien du monde. Il y a environ 15 000 ans, dans le site d'El Mekta, ces gens produisent des aiguilles en os pour coudre des vêtements à partir de peaux d'animaux, sculptent de petites formes humaines en calcaire et grave sur la roche des figures abstraites et des animaux. Il y a environ 4000 ans, le désert saharien acquiert son climat actuel et dans la région parviennent un grand nombre de berbères venus du nord-est de l'Afrique et une minorité d'ibères, de grecs, et d'Italiens. Il y a 3000 ans, arrivent aussi les Phéniciens. Ce sont des marins de l'ancien Liban qui, lors de leur commerce avec les Ibères, établissent des comptoirs sur le littoral méditerranéen africain. Le plus important de ces littoraux est Utique, l'une des plus anciennes villes de la Méditerranée. Deux siècles plus tard, la Phénicie est en émoi. La princesse Elissa, première née du roi de Tyr, est détrônée par son frère Pygmalion qui assassine même le mari de celle-ci. Alors, afin d'éviter la guerre civile, Elissa et sa nombreuse suite quittent Tyr
embarque des jeunes filles à l'île de Chypre et en l'an 814 avant notre ère, il débarque à Utique. Pas loin de là, Elissa fonde la cité-état de Carthage. Les nouveaux arrivés prennent ainsi le nom de Carthaginois et, s'unissant aux autochtones berbères, fondent la civilisation punique. Ce sont des gens pacifiques, tels que les mangeurs de lotus de l'île de Djerba, rencontrés par Ulysse, comme le raconte Homère dans son Odyssée. Mais quand les Carthaginois conquièrent la péninsule ibérique, s'étendant dans la Méditerranée occidentale, ils sont repoussés par les Grecs. Les Carthaginois s'allient aux Étrusques et battent les Grecs. Cependant, ils doivent tous faire face à Rome, une nouvelle puissance expansionniste. Les Romains admirent les Carthaginois pour leur talent d'agriculteurs. Mais comme les deux villes s'accroissent en même temps, devenant rivales, les traités de paix vont être suivis de trois guerres puniques. La première de ces guerres a lieu pour la possession du détroit de Messine, que les Romains ont pris d'abord aux Grecs et ensuite aux Carthaginois. La deuxième guerre punique éclate quand le général carthaginois Hannibal Barca rentre en Italie. À la bataille de Cannes, considérée comme l'une des manœuvres tactiques les plus réussies de l'histoire militaire, les Romains subissent une désastreuse défaite. Mais le général romain Scipion l'Africain mène des contre-attaques en Ibérie, débarque en Afrique du Nord et, s'alliant à Massinis, le roi berbère de Numidie, défait les Carthaginois à Zama. Cependant, les Romains craignent encore les Carthaginois. Alors, suite aux propos de Caton l'Ancien, Carthage doit être détruite. Rome déclenche la troisième guerre punique. Les troupes de Scipion Émilien débarquent à Carthage, la brûlent, et sur le territoire conquis, la République romaine établit la province d'Afrique avec Utique comme capitale. Quand Rome devient un empire, l'empereur Auguste reconstruit Carthage, faisant d'elle la capitale de la province romaine d'Afrique. Carthage redevient alors riche et puissante. Son port fournit à Rome blé et huile d'olive. La ville devient le siège de la civilisation de l'Afrique romaine, carrefour du monde antique. Et la romanisation apporte un dense réseau de cités dotées d'amphithéâtres, de bâtiments publics et de riches villas privées, au sol couvert de mosaïques. La langue officielle de la province d'Afrique est le latin, mais la langue punique demeure en usage jusqu'à l'an 200. Les cultes aux dieux puniques, Baal, Amon et Tanit, s'amalgament au culte polythéiste romain. Au début du IVe siècle, tout change. L'empereur romain, Constantin, embrasse le christianisme qui devient alors la religion officielle de l'Empire romain et de ses provinces. Des berbères, chrétiens,
instruits et civilisés, tels que Tertullien, Saint Cyprien et Saint Augustin, font de la province d'Afrique un centre d'évangélisation majeur de l'Empire romain. Cependant, le siècle suivant, la donne change à nouveau. Des nomades venant de Mongolie, les terribles Huns arrivent et saccagent le nord de l'Europe, repoussant en masse les peuples germaniques dans l'Empire romain. C'est le chaos. L'Empire romain, trop vaste pour être bien défendu, est alors divisé en deux, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin. Mais l'invasion des Germains est impossible à arrêter. Certaines de leurs peuplades entrent dans la péninsule italienne, tandis que les Germains vandales et alains traversent la Gaule et l'Hispanie pour s'établir au nord de l'Afrique. Leur chef, Genséric, établit son royaume à Carthage, mais comme il est adepte de l'arianisme, une doctrine chrétienne hérétique, il n'est pas accepté par les Carthaginois chrétiens et est fréquemment attaqué par les tribus païennes de berbères chameliers. Alors, Genséric réagit cruellement. Il persécute les chrétiens, met les Carthaginois en esclavage, exige de fortes taxes, torture les nobles et confisque leurs biens. Cependant, les Vandales sont aussi des patrons du savoir, car leurs écoles accueillent des écrivains et des scientifiques parmi les plus novateurs de l'époque. Entre-temps, Rome, centre du christianisme, est saccagée par les Germains Hérules qui déposent le dernier empereur romain d'Occident. Mais l'empereur byzantin Justinien intervient militairement et reconquiert l'Italie en commençant par le contrôle de la Méditerranée. Justinien envoie à Carthage le général Bélisaire, qui bat définitivement les Vandales et, en englobant la province africaine dans l'Empire byzantin, rétablit l'Église chrétienne de Carthage. Cela n'empêche pas les principautés berbères, jamais domptées, d'attaquer les Byzantins depuis le désert et les montagnes. En l'an 647, tout change à nouveau. L'armée de l'islam, une nouvelle foi fondée en Arabie par le prophète Mahomet, envahit le nord de l'Afrique. Le général arabe Ibn Nafi fonde la ville de Kairouan, la dotant d'une grande mosquée. Mais il est attaqué par les berbères mauritaniens du roi Kosseïla qui occupe Kairouan et par les Byzantins qui reprennent Carthage. Cependant, en l'an 698, ils sont tous définitivement battus par la très puissante armée des Omeyyades, une dynastie arabe sunnite originaire de la Mecque. C'est le début de l'ère musulmane en Afrique. Les Omeyyades appellent Maghreb les terres des Berbères, désignant avec ce terme le couchant, l'Occident
et appelle Ifriqiya la région qui correspond à l'actuelle Tunisie, du nom de la tribu berbère des Afridis, qui vit près de Carthage, et de leur divinité, Ifri. Cependant, bien qu'ils embrassent l'islam, les Berbères ne s'avouent toujours pas vaincus. Habitués à un système communautaire, ils adhèrent au kirigisme, une hérésie de l'islam qui proclame l'égalité des musulmans sans distinction de race ni de classe. Bientôt, les kirigites du royaume berbère, Sufrites de Tlemcen, se rebellent, mais ils sont anéantis par les Omeyyades qui font de Kairouan la capitale de l'Ifriqiya. Carthage, abandonnée, est alors remplacée par un comptoir fondé 1000 ans auparavant par les Phéniciens, la citadelle de Tunis, qui devient dès lors une ville portuaire importante, ornée de la mosquée Zitouna. Les Omeyyades sont si puissants qu'ils conquièrent la péninsule ibérique, l'appellent Al-Andalus, et s'y installent, confiant ainsi le Maghreb tout entier à la dynastie Abbaside. À cette époque, l'état de l'Ifriqiya est gouverné par la dynastie arabe des Aghlabides, fondateurs de la grande ville de Raqqada, et des villes fortifiées de Sfax, Sousse et Monastir. Les Aghlabides possèdent aussi une forte flotte de combat et prennent Malte et la Sicile aux Byzantins, mais reconnaissent la souveraineté du calife Abbaside auquel ils versent annuellement des redevances. Entre-temps, le différend qui divise l'islam en sunnites et chiites s'intensifie. Le chiite Ubaid Allah al-Mahdi, fondateur de la dynastie des Fatimides, déclare usurpateurs les califes sunnites, efface l'émirat aghlabide, se proclame calife et sur un littoral de l'Ifriqiya fonde sa capitale, Madia. L'un de ses successeurs, le calife Fatimide Al-Muiz, conquiert l'Égypte, fonde le Caire, qu'il prend pour sa capitale et s'y installe, confiant le gouvernement de l'Ifriqiya à Bologhine ibn Ziri, fondateur de la dynastie des Zirides. Cependant, quand les Zirides réclament l'indépendance, le calife Fatimide dresse à leur encontre les Ilaliens, des tribus de nomades égyptiens qui arrivent en Ifriqiya, dévastent les domaines agricoles, pillent les villages et occupent Kairouan, obligeant les Zirides à se réfugier à Madia. Mais l'Ifriqiya est aussi convoitée par des puissances maritimes européennes. Madia est saccagée par les armées des républiques de Pise et de Gênes, et le littoral de l'Ifriqiya est occupé par les Normands qui ont chassé les musulmans de la Sicile. Alertée, la ville de Tunis appelle alors à l'aide les Amadides, une dynastie dérivée des Zirides qui désigne en tant que gouverneur de Tunis Abd al-Haq ibn Khurasan, fondateur de la dynastie des Khurasanides.
les Khourassanides tiennent à l'écart les Ilaliens, repoussent les Normands et érigent l'Ifriqiya en principauté indépendante. Mais les Berbères sont toujours à l'affût. Depuis le Maroc, une révolte berbère se structure en empire et, en formant la dynastie Almohade, s'empare de l'Al-Andalus et du Maghreb. Les Almohades chassent définitivement les Normands, permettent à l'Ifriqiya de devenir le plus puissant des États nord-africains du Moyen Âge et en confient le gouvernement à Abd al-Wahid ibn Abi Hafs. Son fils, Abu Zakaria, fondateur de la dynastie des Hafsides, profite de la défaite des Almohades contre les Espagnols, prend Tunis pour capitale et se proclame souverain de l'Ifriqiya, qui prend alors le nom de Tunisie. Entre-temps, l'Anatolie est devenue musulmane. Le Bey turkmène, Osman Ier, a formé l'Empire ottoman et envahit l'Empire byzantin, y compris la ville sacrée des chrétiens, Jérusalem. Les papes de Rome, alertés, appellent alors les nobles européens aux croisades. Plusieurs armées chrétiennes partent donc pour libérer le Moyen-Orient. Et pendant la seconde croisade, le roi de France Louis IX, appelé Saint-Louis, débarque en Tunisie pour conquérir d'autres pays arabes. Mais Saint-Louis et une grande partie de ses hommes sont tués par la peste. Bientôt, aux Almohades succèdent les Mérinides d'Abu Inan Faris, qui conquièrent la Tunisie déjà affaiblie par la peste, les invasions ilaliennes et surtout par les attaques des souverains catholiques d'Aragon et de Castille, qui attaquent Merselkébir, Oran, Bougie et Tripoli. La cité de Tunis appelle alors à l'aide les corsaires, tels que les fameux frères Barberousse. Harouch Barberousse obtient du sultan de Tunis le port de l'Agoulette, sous condition de lui laisser un tiers du butin, et attaque les flottes espagnoles, italiennes et pontificales, mais meurt pendant la bataille. Son frère, Kahir ad-Din, s'empare alors de Tunis et, visant la protection ottomane, se déclare vassal de Soliman le Magnifique, le sultan turc qui aspire à englober le Maghreb dans l'Empire ottoman. Mais Kahir ad-Din est battu par le très puissant Charles Quint d'Habsbourg, maître de l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, héritier du Saint-Empire romain germanique, du royaume d'Espagne et de ses colonies. Charles Quint met la Tunisie sous tutelle espagnole, mais son fils, Philippe II d'Espagne, en conflit avec les souverains d'Europe, se désintéresse bientôt du Maghreb, reconnaissant aux Ottomans la régence de la Tunisie, de l'Algérie, de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine. C'est la période de la Tunisie ottomane. Son régent est Mourad Bey, né Giacomo Santi, un Corse,
Capturé enfant par des pirates et élevé par le bey de Tunis, l'ancien mamelouk Romdan. Les mamelouks sont les membres d'une milice formée d'esclaves affranchis et les beys sont les souverains musulmans. Mourad Bey fonde la dynastie mouradite et obtient du gouvernement ottoman le droit de transmettre sa charge par héritage. Mais quand ses successeurs réclament l'indépendance, le sultan ottoman les renverse, proclamant Bey de Tunis le commandant de la milice turque Hüseyin Ben Ali. L'un de ses successeurs, Ahmed Ier Bey, amène la Tunisie à l'autonomie. Sous son règne, le pays établit la première constitution du monde arabe, crée sa propre monnaie et une armée indépendante. Adopte le drapeau tunisien et abolit l'esclavage. Mais dans le reste du Maghreb, l'ingérence étrangère est pesante. La France annexe l'Algérie et l'Espagne occupe le Maroc. La difficulté financière qui étrangle le Maghreb aggrave la situation en Tunisie. Quand celle-ci impose la hausse des impôts à ses citoyens, il déclenche une insurrection sanglante. La constitution est alors suspendue, la Tunisie fait banqueroute et cela profite à la France, à l'Italie et au Royaume-Uni. La France souhaite sécuriser les frontières de l'Algérie contre les pillages des montagnards tunisiens. Le tout nouveau royaume d'Italie aspire à coloniser la Tunisie où les Italiens sont nombreux. Le Royaume-Uni ne veut pas que la flotte commerciale italienne soit active en Méditerranée méridionale, surtout autour du canal de Suez. Ainsi, au Congrès de Berlin, l'Allemagne et le Royaume-Uni permettent à la France de placer la Tunisie sous un régime de protectorat. C'est la période de la Tunisie française. Sous le contrôle d'un général français, le pays conserve son gouvernement, mais l'administration est dirigée par des fonctionnaires français qui gèrent la politique étrangère, la défense et les affaires internes. Le protectorat français permet des progrès économiques, les banques et les entreprises tunisiennes se consolident, le réseau ferroviaire se renforce, Bizerte devient un important port militaire et dans le domaine de l'éducation, la France établit un système bilingue arabe-français. Cela permet à l'élite tunisienne de se former dans les deux langues, mais la domination étrangère n'est pas acceptée par le peuple tunisien, héritier du fort esprit indépendant des Berbères. La rébellion débute dans les rues, avec le mouvement nationaliste des jeunes tunisiens fondé par Béchir Sfar, Ali Bach Amba et Abdelaziz Zaous. Ils sont tous exilés et la presse anticolonialiste est interdite. La France resserre l'étau, faisant vivre ses colonies en état d'urgence, quand soudainement, la Première Guerre mondiale éclate.
à la fin de la guerre, les Ottomans et les Allemands sont défaits. Les nationalistes turcs mettent fin à l'Empire ottoman. Pour sa part, la France conserve ses colonies. En Tunisie, Abdelaziz Stahalbi s'oppose alors à la domination française, fondant le parti politique du Destour, mais est contraint à la clandestinité. C'est alors qu'arrive l'avocat Habib Ben Ali Bourguiba, formé en France et revenu en Tunisie pour prôner l'indépendance et la laïcité du peuple tunisien. Bourguiba critique durement le régime français et fonde avec Tahar Sfar, Mahmoud El Materi et Barry Guiga le journal L'Action tunisienne, alimentant le mouvement national. Le Destour, revigoré, se dédouble alors en un parti politique islamisant qui conserve le nom Destour et en parti laïque, le Néo-Destour, guidé par Bourguiba. Le Néo-Destour est structuré sur les modèles des partis socialistes européens et tente de convaincre l'opinion française. Mais Bourguiba est emprisonné en France pour conspiration contre la sûreté de l'État. Entre-temps, un autre grand conflit se prépare. La volonté d'Hitler de reconstituer l'ancien empire allemand fait éclater la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands occupent l'Europe et libèrent Bourguiba, l'envoyant en Italie, où Mussolini attend son aide pour affaiblir la présence française en Afrique du Nord. Mais Bourguiba n'apprécie pas le fascisme. Il espère la victoire des alliés anglo-américains pour obtenir l'indépendance de la Tunisie. Et quand la Grande Guerre se termine, les Alliés chassent les troupes allemandes d'Europe et d'Afrique. La France libre déclare alors la 4e République, garde ses colonies et la Tunisie reste un protectorat français. Bourguiba, clandestin en Égypte, ne renonce pas à la lutte pour la construction d'un État tunisien libre. Son parti, le Néo-Destour, s'allie au syndicat de l'Union Générale Tunisienne du Travail, fondé par Farhat Ached, et approuve le Comité National de la Résistance Tunisienne, fondé par Hamed Tlili. La France emprisonne Bourguiba, revenu d'Égypte, les membres du Néo-Destour et même Lamine Bey, qui règne sur la Tunisie pour le compte de la France. Quand Farhad Ached est assassiné par l'organisation contre-terroriste de la Main Rouge, l'insurrection tunisienne éclate. Les colons, les entreprises françaises et les structures gouvernementales sont durement attaquées. La France fait un pas en arrière avec le discours de Carthage du ministre Mendès France qui prône l'indépendance de la Tunisie. À ce discours succède l'accord entre le président du Conseil français, Edgar Faure, et le chef de l'État tunisien, Tahar Ben Ammar, qui récupère toutes les compétences, à l'exception de celles des affaires étrangères et de la défense. Finalement,
après d'autres négociations, le 20 mars 1956, la France reconnaît l'indépendance de la Tunisie tout en conservant la base militaire de Bizerte. À l'Assemblée constituante tunisienne, le néo-destour remporte tous les sièges et Bourguiba est élu premier ministre du royaume de Lamine Bey. La Tunisie adhère alors aux Nations Unies, abolit la monarchie et le 8 novembre 1959, Bourguiba est élu premier président de la République tunisienne. Pour moi, l'indépendance de la Tunisie, c'est une chose sérieuse. On se contente pas des apparences. Indépendant, souverain, doit l'être sur tout son territoire. Ainsi, la France quitte la base militaire de Bizerte et Bourguiba, auréolé du titre de combattant suprême, met sur pied un État moderne. Il développe l'éducation et l'économie, nationalise les terres agricoles, combat la pauvreté, réduit les inégalités entre hommes et femmes et améliore la politique étrangère. En même temps, son régime de parti unique utilise la force et permet la corruption. À l'université de Tunis, Bourguiba est fortement critiqué. Et quand son ancien lieutenant et ami Salah Ben Youssef l'accuse de reniement et de trahison à l'égard du peuple tunisien, Bourguiba le fait assassiner. Ce désordre favorise Ennahda, un mouvement islamiste conservateur fortement combattu par le premier ministre Zine El Abidine Ben Ali, fondateur du Rassemblement constitutionnel démocratique. Afin de se débarrasser au plus vite des conservateurs islamistes, Ben Ali dépose Bourguiba, l'accusant d'incapacité à assumer ses fonctions pour cause de sénilité. Puis, en tant que son successeur constitutionnel, assume le rôle de président de la République tunisienne et de chef suprême des forces armées. Ben Ali emprisonne des milliers de militants de Ennahda, relance l'économie tunisienne en signant un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Par la suite, il est largement réélu président de la République, mais son régime devient bientôt totalitaire. En supprimant la limite des trois mandats présidentiels, Ben Ali introduit sa propre immunité judiciaire à vie et accroît son pouvoir personnel. Ceci favorise la corruption et cause une grande crise sociale. En signe de protestation, le jeune chômeur Mohamed Bouazizi se suicide à Sidi Bouzid, déclenchant une révolte qui s'étend immédiatement aux autres villes du pays. C'est la révolution tunisienne. Appelée « Révolution du jasmin », elle se déroule par une suite de manifestations et de sit-ins que les forces de police répriment avec du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. En vain, car toutes les classes sociales tunisiennes exigent maintenant la destitution de Ben Ali. Il est alors remplacé
par son premier ministre, Mohamed Ghannouchi. Lui aussi est critiqué et démocratiquement remplacé par Beji Caïd Essebsi. Sous la présidence de Caïd Essebsi, le Quatuor, constitué du dialogue national composé de l'Union générale tunisienne du travail, de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du Conseil de l'Ordre national des avocats de Tunisie et de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, obtient le prix Nobel de la paix 2015. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, déclare que ce prix est dédié aux Tunisiens qui ont participé au printemps arabe. Le président Caïd Essebsi rédige une nouvelle constitution et aux élections, comme les islamistes d'Ennahda s'engagent à combattre la corruption, ils obtiennent la majorité relative. Ennahda obtient enfin la majorité absolue en s'alliant avec le Congrès pour la République, un parti de gauche nationaliste, et avec État Catholique, un parti social-démocrate. Aux élections suivantes, ils perdent la moitié de leurs électeurs car, contrairement aux promesses faites, Ennahda s'allie au cœur de la Tunisie, le parti politique de Nabil Karoui, propriétaire de chaînes de télévision privées, soupçonné de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Bien que très âgé, le président Essebsi s'oppose à cette coalition, créant le parti politique Nida Tounes, appel de la Tunisie, mais décède avant la fin de son mandat. L'entrepreneur Nabil Karoui concourt pour la présidentielle, mais la démocratie électorale tunisienne lui préfère un nouveau venu dans le monde politique, le professeur Kais Saied. C'est un juriste et universitaire spécialiste du droit constitutionnel, défenseur d'une vision conservatrice, d'une forme de souveraineté nationale et d'une démocratie non centralisée. Conformément à la Constitution, le président de la République tunisienne, Kais Saied, propose à Habib Jemli, désigné par le parti majoritaire Ennahda, de former un nouveau gouvernement. Mais l'Assemblée des représentants du peuple tunisien refuse sa confiance à Habib Jemli, car Ennahda est impliqué dans des assassinats politiques. De plus, l'État islamique revendique les attaques terroristes en Tunisie qui ont causé plusieurs morts et blessés. Alors le président Saied propose à l'ingénieur Eleist Fakfak, membre du parti État catholique, de former un nouveau gouvernement. Fakfak accepte, mais comme il tente de remplacer les ministres membres d'Ennahda, il est accusé de conflit d'intérêts et il démissionne. Le rôle de chef du gouvernement passe alors à Hichem Mechichi, qui annonce un remaniement ministériel et une modification de plusieurs fonctions gouvernementales. Cette fois-ci, c'est le président Saied lui-même qui refuse le nouveau gouvernement, contenant selon lui des personnalités soupçonnées de corruption et de non-respect de la Constitution.
Il invoque alors l'article 80 de la Constitution et bloque le Parlement tunisien, déclarant qu'un danger imminent menace l'intégrité du pays. Puis il décrète la loi relative à l'organisation temporaire politique et nomme Premier ministre du gouvernement tunisien une ingénieure universitaire, Madame Najla Bouden, qui entre dans l'histoire en tant que première femme à exercer ce poste dans le monde arabe. Enfin, dans un climat démocratique où aucun parti politique n'est interdit, aucune personne n'est arrêtée pour ses opinions et où l'opposition a le droit de manifester, le président de la République, Kais Saied, soutenu par la grande majorité du peuple tunisien, remplace le Conseil supérieur de la magistrature par un conseil transitoire dont il n'est pas membre, promeut un référendum sur la nouvelle constitution et convoque les élections législatives. Voilà donc la grande histoire de la Tunisie. Sur cette ère millénaire sont nés le général Hannibal, considéré comme l'un des plus grands tacticiens militaires de l'histoire. L'érudit Magon, rédacteur d'un traité sur l'agriculture qui est le seul ouvrage que les Romains aient ramené à Rome après la destruction de Carthage. Le poète Apulée, auteur de Métamorphoses, un chef-d'œuvre qui a fasciné les poètes du monde entier. Le philosophe et théologien chrétien Augustin d'Hippone, devenu Saint Augustin, connu comme le penseur le plus influent du monde occidental. Le philosophe Ibn Khaldoun, dont les ouvrages sont parmi les plus intéressants qu'ait produit l'esprit humain. Et de nombreux autres personnages remarquables qui perpétuent le génie tunisien dans le monde. Cela aurait ravi la princesse phénicienne Elissa, qui, en déroulant les lanières d'une peau de bœuf sur une colline descendant vers la mer, a donné naissance à un peuple jamais soumis et très fier de sa propre identité.